Donnez donc la division euclidienne de 370 par 250. Commencez à prendre vos calculatrices et vous faites 370 divisé par 250. Donc 370 divisé par 250, c'est égal à 1, voilà, on voulait donner la division euclidienne de 370 par 250. Je disais qu'on commence par faire 370 divisé par 250. Ça nous fait 1,48. Mais 1,48, sa partie entière, c'est 1. Et c'est bien la partie entière qui nous intéresse. Donc 1 fois 250. Donc on peut déjà écrire que 370 est égal à 1 fois 250. Plus un reste. Et ce reste, pour l'obtenir, il suffit de faire 370 moins le résultat de ce produit. Alors, ce produit a pour résultat 250. Donc, il suffit de faire 370 moins 250 pour connaître le reste. On peut l'écrire, hein, le reste est égal à 370 moins 250. Sauf que 370 moins 250, ça nous fait 120. Eh bien, le reste, on peut donc afficher 120. Et tout cet ensemble, est la division euclidienne de 370 par 250. Voilà, maintenant je vous laisse faire la suite, hein, bien entendu. Il y a le petit b, le petit c, le petit d, le petit e. Je vous laisse faire. Est-ce que vous avez mieux compris là? Donc je vous laisse poursuivre l'exercice 2155. Donc c'est parti.